Je double-clique à droite du mot ici reflet. Et je vais faire l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai empêché que les parties les plus claires du calque gris apparaissent, parce que c'était les ombres, en fait. Mais maintenant, c'est les reflets, donc c'est les parties les plus foncées qui doivent disparaître. Je prends donc le curseur, cette fois-ci, par la partie gauche. Au fur et à mesure que vous allez vers la droite, vous voyez qu'il n'y a plus que les reflets qui apparaissent. Et là aussi, vous pouvez séparer en deux avec la touche Alt. Et voilà, vous avez une texture qui est intégrée avec des ombres et des reflets, mais ce n'est pas encore fini. Il y a des ajustements à faire maintenant.